a commencé depuis ce matin, à partir de 8h30. On a attendu les premiers participants. Là, il est 18h30. Nous avons fait quasi les trois quarts du parcours. Ça a été une aventure incroyable, encore une fois, cette année. On a fait un parcours assez éblouissant. On est passé par des émotions très fortes. On a vu, je pense, des endroits assez merveilleux. En fait, on voit des choses complètement différentes les unes des autres, mais toujours liées au cinéma. Parce que si vous ratez les rêves, ça sera point sauvé par Henri. Unissons-nous ! Unissons-nous ! C'était l'occasion d'aller dans des coins qu'on ne connaissait pas, bien qu'on habite là. Et puis surtout, c'est effectivement, c'est voir un peu l'envers du décor. Moi, j'ai trouvé que bon, les films qui ont été tournés là, de voir, d'être sur le lieu et d'avoir l'envers du décor. Hein. Voir plein de gens différents et des voitures vraiment très belles voitures, c'était très intéressant de se mélanger, de discuter au niveau mécanique et enfin, voiture aussi. Ah ben, allez, vas-y, alors il s'arrête là alors. Ici alors. Le roadbook, le repas, enfin tout l'ensemble est très très bien. Le roadbook est vraiment exceptionnel, j'en ai jamais vu d'aussi bien fait, avec super. Les photos et tout, on ne risque pas de se perdre. Chez quel éditeur de disques est sorti le premier 45 tours? Bravo, Philips! On a un gagnant. Première route, première expérience, première joie. C'est un peu difficile pour moi de parler parce que je suis américain, so c'est un peu difficile, mais nous avons un très bon temps aujourd'hui et c'est très bien organisé. So, bravo à les organisateurs. Jean-Pierre Balzac. Bonjour. Jean-Claude Bay. Présent. Émile Jean Bossu. Ce château est dans la famille de mon mari, décédé maintenant, et qui est depuis 500 ans. Et on a accueilli plusieurs fois le cinéma, en particulier le horreur victorien avec Véronique Jeannot, les duellistes. Les dernièrement, on a eu le film avec Richelieu. C'est que le début, attends. C'est ça. On ne s'est pas encore perdu. Marie, c'est décidé. Je tuerai moi-même le cardinal. Les sites sont cinématographiques, on est en grand écran toute la journée. C'est du cinémascope à chaque fois qu'on se balade avec une voiture ancienne. Donc je crois que même quand on fait rien et qu'on se promène dans la Dordogne, on est déjà en train de faire du cinéma. Thank you.
définitive. Bon, le côté historique des monuments, on le connaît, c'est une base de notre région. Et par contre, le voir côté cinéma, c'est merveilleux. Et là, on ne peut pas s'imaginer que ce côté histoire, le cinéma peut en profiter, même changer un peu le cours de l'histoire grâce au cinéma. Et ça, c'est fantastique. Il y a des coins où on a envie de revenir pour voir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils vont réaliser de nous. Et ça, c'est très bien. Et je pense que il faut en faire davantage de visites, de films et tout. Ah, c'est superbe. Des choses, voilà. J'adore la mer, terrible, magnifique, avec un passionné autochtone là pour terminer, qui était vraiment magique. Même quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la préhistoire, là il est gagné à ses idées. Mais ici, on est sur le site du boucher, donc il va peut-être y avoir des meurtres. Là, on va passer à table. Et durant le repas, nous aurons quelques petits jeux à proposer. Des surprises ? Et des surprises. Je dévoile pas tout, hein. Au poil. Donc Julien ou Annette, on éteint la pseudo s'il vous plaît, Michel, place au cinéma. C'est quand même marrant les mariages. Ah oui, oui, c'est joyeux. Tout le monde est content. C'est après que ça se gâte. Les gens du bourg, ils sont braves, sauf un seul qui ne l'était pas, et ça, je peux vous le dire, c'est mon père. Mon père, c'était un beau fumier. Et combien de temps vous êtes dans le pays? Alors, mes chers amis, c'est la photo de mariage. Voilà. Cinéma de mariage. Allez, on resserre. Il y a des retardateurs là-bas. Attention, ça tourne.